Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Bienvenue dans mon monde, mes amis. C'est vrai que mon monde, en réalité, c'est le monde des savons. Donc, vous voyez les différents savons qui sont là. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du poivre de Guinée que tout le monde connaît déjà. Vous avez besoin, donc, là où vous aurez besoin du poivre de Guinée avec une banane. Mais je n'ai pas de banane ici, là. Donc, ça veut dire que quoi? C'est une astuce que moi-même, j'ai déjà fait. Mais ça fait vraiment bon bout de temps. J'ai seulement pensé. Peut-être même que j'aime déjà faire la vidéo de ça, comme j'ai beaucoup de vidéos, je ne sais plus. J'avais déjà fait cette astuce-là personnellement, c'est très bien. Donc vous avez besoin de deux astuces, comme des deux ingrédients, comme je dis. Donc le poivre de Guinée, comme on dit, ou bien l'ondon, comme on dit chez nous au Cameroun, chez les Bassa du centre, ou bien du jujube, pourquoi pas. Le jujube, presque, joue le même rôle que tout ça, hein. Je pense très bien. Je pense très bien. Parce qu'il y a aussi quelqu'un qui m'a demandé donc le poivre de Guinée, est-ce que c'est le jujube? Oui, parce que nos frères de l'Ouest utilisaient ça beaucoup dans la spiritualité. C'est ça, le jujube. Donc, ça veut dire que si vous ne voulez pas qu'on lise dans votre ventre, ou bien, donc, l'autre là, c'est autre chose. Disons ça comme ça là, parce que les sorciers ont plusieurs sortes. Manière vraiment de vous voir ou bien de lire dans votre ventre pour voir qu'est-ce que vous pensez. Ah oui, on peut lire vos pensées. Donc, pour ne pas lire vos pensées, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez bien encore, je reviens, je me répète. Vous aurez besoin de deux ingrédients, dont une banane. Vous allez couper la banane, vous allez prendre une petite, en tout cas, le morceau, dont une partie que vous pouvez avaler. Très important. Donc, vous allez prendre, disons, vous allez prendre le poivre de Guinée comme ça. Donc vous allez prendre un plat, vous allez vraiment prendre tous les grains. L'autre ne doit pas chercher l'autre, son frère, disons ça comme ça. Faut pas que vous perdez, ne perdez pas les grains. Qui ne risque rien n'a rien. Ça c'est une astuce naturelle. C'est pas la magie. Vraiment, je reviens ici à dire que c'est pas la magie. La vraie magie c'est ce qui sort dans votre bouche. Ah oui, ce qui sort dans votre bouche qui est très important. Donc vous prenez tous les grains et vous mettez ça. Vous mélangez ça très bien avec la banane là, le morceau là. Très très bien. Du fait que si vous pouvez coller, mais ça va être vraiment. Vous pouvez peut-être, pourquoi pas, rouler ça comme ça là avec la banane. Vous allez rouler avec la banane pour que tout ça là, la banane prend tous les graines qui sont là-dedans et vous allez avaler ça. Ça là, ça se fait à 17h, donc le soir. Vraiment, le soir vers 17h comme ça, entre 17h et 18h. Vous faites l'astuce là. Si vous pouvez vraiment faire ça avec votre salive, ça sera très bien. Donc, vous buvez l'eau après, quoi. Donc, vous avalez ça avec la salive. Donc, vous pouvez emmagasiner la salive dans votre bouche. Vous emmagasinez ça très bien pour que ça, pour avoir une bonne quantité, pour que ça soit facile à avaler l'histoire là. Vraiment, ça empêche les maladies aussi mystiques. Ah oui, parce que vous savez que le poivre de Guinée est beaucoup utilisé dans la sorcellerie. Donc, ça empêche aussi les maladies mystiques. Elle dit encore une fois, la vraie magie, c'est ce qui sort dans votre bouche. Donc, si vous faites vraiment, si vous dites les mots qu'il faut, pourquoi pas, et faites des purifications, des déblocages. Avant de faire cette astuce-là, moi, je vais revenir. Avant de faire une astuce comme ça, là, faites un déblocage. Pour que vraiment ça soit bien, pour vous protéger encore un peu. Parce que ça ne sert à rien d'aller vous protéger alors que vous êtes déjà malade. On dit que, comment il y a un proverbe qui dit que mieux vous prévenir que guérir, non? Je pense bien. Donc, ça veut dire que soyez d'abord propre et vous protégez ça. Donc, vous voyez, non? Donc, lavez-vous d'abord, après vous faites ce genre d'astuce qui va vraiment vous aider. Donc, j'ai toujours l'habitude de dire que quand on peut faire des purifications, au moins 7 fois par an, ce n'est pas des petites purifications de 2 jours, de 3 jours, non, des bonnes purifications entre 7 jours et 9 jours. Donc, si vous faites ça pendant 9 fois par an, ça va vous protéger. Ça, c'est clair et net. Donc, encore une fois, qui ne risque rien n'a rien. Donc, je reviens maintenant en disant que vous savez que je parle toujours de la crypto-monnaie dans mes vidéos. C'est maintenant, nous sommes déjà à l'ère de la crypto-monnaie, c'est le numérique. Ça ne peut pas échapper, ça ne doit pas vous échapper, disons ça, surtout nous les Africains, on doit suivre les autres, on ne doit pas rester derrière.
La personne qui restera derrière sera un problème dans la société. Ah oui, hein. C'est comme maintenant en Afrique. Si tu n'as pas Orange Money, parce que tu vois que tout le monde que tu vas vouloir envoyer l'argent, il va te poser la question si tu as Orange Money. Donc, si tu n'as pas Orange Money, la personne va te regarder comme si tu viens dans un monde que lui-même ne connaît pas. Ça sera comme ça dans les années à venir. Si tu n'auras pas un compte de la crypto-monnaie, aujourd'hui, on va dans les 17 000 sortes de crypto-monnaies. Il y en a plusieurs. Moi, je pointe pour l'Afrique. Ici, là, on a le Sénégal, Econ Coin, on a le Cameroun, le Limo Coin. Donc, venez, si vous ne pouvez pas trader, vous pouvez investir, seulement investir. Maintenant, c'est devenu un truc à long terme. Ce n'est plus un truc pour qu'on pouvait être là-dedans pour acheter un vêtement ou bien les chaussures. Maintenant, c'est pour construire la maison. C'est pour vraiment faire quelque chose de bien dans ta vie, pour léguer à tes enfants, disons comme ça. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à vous enregistrer là. Pour le moment, l'enregistrement est encore gratuit. Donc, ça, c'est clair que ça sera toujours gratuit, l'enregistrement. Mais je pense que ça va être à un certain moment que ça sera plus accessible à tout le monde, surtout dans ce que je suis là. Nous sommes la première crypto-monnaie en Afrique. Donc, vous voyez, non, mes amis. Donc, enregistrez-vous, c'est très important. Donc, je laisse toujours le lien ici en bas. L'info, on appelle la description. Enregistrez-vous, enregistrez-vous. Ayez un compte. Parce que quand on a déjà un compte, on est sûr que le jour qu'on décide d'investir, mais ne tardez pas, ne restez pas longtemps, longtemps sans investir. Oh. Parce que d'ici 2 mois, personne ne pourra, en tout cas chez nous, ça sera très difficile de venir dire que tu vas acheter un pack chez nous. Ça sera vraiment très, très difficile. Ça, c'est clair que allez-y, allez-y, c'est le moment. Ne restez pas derrière, quoi. Donc voilà, je vous parle maintenant de mes savons. Donc pour les savons, j'en ai ici là. Ça, c'est le savon d'amour. Ça, c'est le savon de déblocage. Ça, c'est le coller serré. Si vous voulez coller, vous essayez de donner encore un peu de piment dans votre couple. Ça, c'est très bien. C'est naturel. Ça, c'est un savon. Quand vous entendez que savon, c'est naturel. Ça, c'est le savon de déblocage. C'est fait, pardon, le savon de chambre. C'est fait à base du miel même. Tout cela, c'est fait à base des feuilles de forêt. Hein. Tout ce que vous voyez là, donc voilà. Donc, récapitulatif de ce que je viens de dire. Donc, vous aurez besoin de la banane avec un poivre de Guinée. Donc, poivre de Guinée ou bien du jujube ou bien le ndong, comme on appelle. Vous aurez besoin des deux ingrédients là pour bien mélanger l'ensemble. Ne perdez pas les grains. Allez, vous aurez seulement besoin des grains. Rien que les grains de ça que vous allez mettre sur un plat pour bien mélanger avec la banane et manger ça vers entre 17h et 18h. Très important. Faites d'abord un déblocage. Très important. Débloquez ou donc lavez-vous d'abord avant de faire ce genre d'astuces. Donc, pour vous protéger, pour qu'on ne puisse pas vous lancer des maladies mystiques ou bien pour prévenir, disons ça comme ça.